J'en ai marre. J'ai juste pris à boire. On va faire une intro. Salut Twitch, salut YouTube, c'est Descatapoil. Et on se retrouve pour la suite de ces formidables aventures sur Dark Souls 3, Ashes of Ariandel. Et la dernière fois, on s'était laissé sur un magnifique effet du gameplay, puisqu'on a perdu 350 000 âmes. Un niveau, comme c'était sympathique. Nous les avions perdus auprès de ce gentil monsieur. Qui ne fait pas du tout mal quand il tape. Juste avant, mais vraiment juste avant, il y a même pas 20 minutes, on le défonçait ce monsieur. Et là maintenant, il se rebelle, il fait des attaques qui font très mal, qu'on n'arrive pas à se défendre, qu'on n'a plus d'endurance, alors qu'on l'a maxé. On a maxé l'endurance. Si, on a maxé l'endurance. Je suis à combien? Je suis à 40. Je suis qu'à 10 du vrai maximum. Alors après, est-ce que j'ai pas des items qui ne me servent à rien? Genre des anneaux, des trucs comme ça. Bonjour, je viens me venger. Petite coloscopie, touchez la table. J'ai honte. Attends, je galère comme un rat mort. Ah non! On m'a retrouvé. Je vois rien à la caméra. Et l'autre, il est apparu là-haut. Allons voir monsieur aussi. Oui, c'est ça, fait le malin. Non mais je reste pas. C'était un piège. Attends, je peux quand même... Ah oui. Je vous ai piégé les loups. Ah, vous pensiez que vous pouviez m'attaquer? Mais non, c'était pas vrai. C'était pas vrai.
Ouais, des âmes. Cool. Je suis super content. C'est comme quand je suis content, mais avec une cape. Y a-t-il un feu? S'il vous plaît. Alors là, il y a un trou. Est-ce qu'il y a un feu en bas? S'il vous plaît, je veux un feu. La question, c'est est-ce que le... Voilà. Que demander de plus? On pourrait presque retourner gagner un niveau, c'est totalement faux. On n'a absolument rien de quoi s'acheter un niveau. Attention, attaque. Il y a un truc là-bas qui va courir vers le pont. Vu qu'on peut pas leur parler, je sais que c'est des méchants, mais vu qu'ils ne m'attaquent pas, je vais pas les attaquer. Ils sont juste en train de prier. Moi ça me ferait chier de... Oh ninja! Well, eh bien... You look to be unkindled. Vous avez l'air... J'ai une voix robotique. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. Non, c'est... Je ne le sens pas du tout. Gemme de carcasse. Qu'est-ce que ça fait les gemmes, ça, déjà? Ah oui, c'est vrai que j'ai une épée droite d'Anri. Ça s'appelle Anri. Nous fait l'argenté, premier dégâts causé par les chutes, augmente le maximum de PV. Les ennemis vaincus rapportent plus d'âmes. Ouais, non, non, pourtant j'ai. J'ai un vrai équipement de vainqueur. Encore un feu! Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. Ah, c'est toi. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But Ashen One, I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire, here in this room. Oui. A meek and faded thing, but... Ah, yes. Ah. Ours is a chance encounter. Let this be a remembrance of this... Now, return thou'st a place in that world, and that alone. Now, thou'st... Tu peux l'ouvrir cette porte? Putain, elle a l'air de bien mener dehors la porte. En même temps, il y a un truc vision de ennemi, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que j'attaque ou pas? Ouais, c'est parti. C'est un fantôme.
has spoke, then tarry no longer. Et bon, grâce au fantôme du monsieur, j'ai vu qu'il y avait une échelle. Est-ce qu'il était avant que je tape Dame Frido? Bonjour, pourquoi c'est moi? C'est torche ou pyromancie? Eh ben, ok. Allume ma torche. Torche. Non, c'est un katana de feu, moi je veux juste la torche. La torche est demandée à l'accueil, la torche est demandée à l'accueil, je répète. Attends, si je regarde pas, c'est quoi l'arme? Gourdin, marteau de forge, draconique, casse-tête, assommoir, masse, masse à point de pioche. Non, dragon, lance, hein, c'est quoi c'est? Lance enflammée. Ah oui, j'ai des trucs enflammés, moi je juste ma torche. Main sombre, griffe, arc, arbalète, les bâtons de sorcier, les bâtons de berger, flamme de pyromancie, ça c'est des trucs de miracle. Ah bah elle est là la torche. Ça ne fait strictement rien. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Est-ce que j'ai pas une arme un peu plus vindicative? Un marteau enflammé. Alors est-ce qu'il faut se tenir à une distance raisonnable? Ou l'éclairer pendant un certain temps? Alors peut-être pas tout de suite, c'est peut-être plus tard. Mais redoutable nécessaire.
par contre, Jean-Michel Ninja, je suis désolé. Ici. Si je mettais l'anneau qu'elle m'a donné. J'ai l'impression de me faire arnaquer là. Ça c'est pour ouvrir le... Ça va pas m'aider? Ça va pas m'aider tout ça? Ça va même me gonfler en fait. Mais y'a un palais en dessous. Et une échelle. On est par là, ça fait combien de temps qu'on joue? 1h05, ok. Vas-y. Donne tout ce que t'as. Ok. T'as cru quoi? On est dans un village. Ouais. 1080 degrés snowboarding. Dark Jeux Olympiques d'hiver. Il y a des ennemis. Bizarre, ok. On ne veut même pas savoir. Ça, c'est un truc qui s'écroule. Ouais, ça, c'est un truc qui s'écroule. Garantie à 100%, retour garantie de l'être aimé. Non, même pas. Pas retour garantie de l'être aimé. Bon, bah, tant pis. On va se balader dans les créneaux. Moi, je vous fais pas confiance les mecs. C'est quoi ce... C'est quoi ces piafs? Coup de tatane? C'est affreux? On est un peu sur ma STV là.
ça donne un souvenir. Qu'est-ce que... Ah putain, c'est ça. Ne crie pas, ça fait peur à tout le monde. Génial, j'ai l'impression d'avoir fait juste faire un génocide. On dirait la séquence dans Modern Warfare 2. C'est même pas pour que je les tape. Là, ça me rappelle Darks. Non. Tant que j'aime me coucher. Ça me rappelle pas Dark Souls, mais Bloodborne. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ces râteaux là? On dirait Wolverine avec des râteaux à la place des mains. Il va ramasser les fleurs, les feuilles. Il meurt juste. On mange entre Wolverine, Freddy Krueger et... Et un râteau ramasse-feuille. On va se passer par ici. Je veux bien te croire. Il n'y a pas encore beaucoup de messages. Les gens n'ont peut-être pas pris l'extension. Ah, une braise. Moi aussi je te braise. Merde! Pardon. Pardon, j'ai pas fait exprès. Well, you must be the... Oh, wondrous Ash. Make the tales true. My lady must see flame. And you are Ash. Surely you've seen but that which fooled the good father after we had all made up our minds too. So, please make the tales true. My lady must see. Ok, toi tu n'es pas gentil. Ok, je n'ai aucun intérêt à passer. Un feu? C'est un vrai? C'est un vrai? Ils sont pas encore assez vicieux pour nous mettre des faux feux. Ça me rassure, j'aimerais bien arriver là-haut. Est-ce que je peux arriver en passant en face? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont apparus du coup. Cantine. C'est ce qu'à ta poche, champion du chemin détourné. Oh mon dieu, il m'a fait mal! Donc on passe des. Donc on passe des vikings du Cucu Clan avec leurs chiens. Oh. Non mais il y a un passage secret là, je le sais. Essayez pas de me...
Ah si, il est là. Bon, ok. Faut m'avoir pris pour un demeuré. Attends, comment on saute? Ah oui, c'est clic gauche. Oh là 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 là. Esquive-man? Esquive-man le poison? Le poison, c'est que le vendredi, hein, normalement. Meurs. Saut nécessaire. Ouais, en effet. Il faut pas se rater. Voilà. Escatapole PGM. Je ne vois rien, mais c'est ça qu'on aime. Je tabasse des monstres et je mange des nems. C'est la rime que j'ai trouvée. C'est dur de trouver des rimes et de jouer en même temps. Fuck! Ah voilà, on est encore obligé de tabasser ces pauvres bêtes. Non, toi t'es pas une vraie. Attends, est-ce que... Ah bah si, c'est là qu'il y a Wolverine, là. Wolverinstein. Aïe. Non, lâche-moi. J'ai soif. Attends, je recharge. Voilà. Fais voir le malin. On se calme. On va être à la zone, c'est pas grave, on peut faire le saut autant qu'on veut. À droite, enfin à gauche, l'autre droite. Bien, c'est nous empoisonner. Bon, une braise, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup de se faire empoisonner pour une braise. À espérer que j'arrive à faire mon saut. Alors faut sauter comment? Il y a sûrement une technique. Ouais, faut sauter bien au bout. Yes. Plume de corbeau. Ah, c'est une arme, ça. Ça fait quand... En fait, je pense que quand je le prends à deux mains... Oh! Ah, mais c'est trop bien comme arme! Est-ce que... Bon, ça fait absolument pas de dégâts. Peut-être parce que l'armée est au niveau 1... Ah!
Mais ils vomissent ces trucs. Bon bah on va la booster. Bon, c'est ça que. Par contre, c'est une arme des stocks, c'est pas mal. Hop, je fais combo. Bon, par contre, le lancer de petite pointe, il ne fait absolument pas mal. Et dans le sens zéro dégâts du absolument pas mal. Mais c'est fun comme arme. Donc on. Le petit saut est de fort belle qualité. C'est impossible de ce côté. Comment ? On peut rentrer de l'autre côté. Oh là 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 là, mais faut pas faire peur comme ça. Esquive man le vomi. D'endurance. Oh lui, il les balance ces trucs là aussi. Par contre lui ça fait mal. Reprenons l'épée d'Annery. Oh putain. L'épée d'Annery, c'est pas grave, je prends l'épée de la danseuse. Et on danse! Voilà! On a retrouvé. Je suis trop lourd. C'est vrai que les épées de la danseuse, elles sont lourdes. Oh merde, je suis toujours trop lourd. Ça, c'est l'armure. Faut que je mette l'armure de la danseuse. Quelle est mon armure dedans? Là. Et je suis toujours trop lourd. Genre l'armure de. Maintenant l'armure de la sauce, de plus elle est plus lourde. Qu'est-ce qui. C'est le bouclier? Poids 5. Genre c'est la bague qui est trop lourde. C'est pas possible. Elle est dans les plus légères. Ah bah non. Qu'est-ce que j'avais comme anneau avant? Je
Je ne sais même plus. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais comme anneau avant. Mais qu'est-ce que... c'est pas possible que je... Ah bah si, c'est juste les épées en fait qui sont plus lourdes. C'est tout, hein, je pense qu'il n'y a pas trop à chercher. Je me dis, tiens, avant... Mais avant, j'avais pas... Ah oui, donc lui, il a vraiment mis l'arme. Et oh, oh là! Lui, il fait... Il me fait super mal, là. Moi, je les balance, ces trucs-là, mais ça fait rien, quoi. À un moment, faudrait voir à pas trop se foutre de ma gueule. Dans le vide. Tiens, il arrive. Le chasseur de pigeons. Il fuit tous. Mais de toute façon, ça, je peux pas les améliorer, ces armes-là. Et viens goûter à mon tourbillon fatal. Tourbillon fatal de mon cul. C'est vrai que là on a un peu plus de temps. On va remettre notre stuff de base parce qu'on était stuffé pour d'autres choses quand même. Donc où c'est qu'il est mon arc? Mon arc nord de Pharrell Williams, il est là. Mon épée. Droite d'annerie plus 5. Ah oui, qui fait quand même bien mal, j'ai l'impression. Est-ce que mon épée fait mal? Pas tant que ça, mais ils ont l'air quand même de souffrir hein, quand je m'en sers. Bien sûr, impossible de ce côté. Ok, donc tout est fermé. Ok, donc allons le chasser pendant qu'il s'occupe. Tiens, meurs! Tu ne mourras pas. Allez! Avec ma technique secrète à base de spammage de boutons R1 qui marche 100% du temps. Ça, c'était pas nécessaire. Ouverture. Mais fuck.
que c'est ça là-bas? J'en ai marre des ouvertures impossibles de ce côté. J'ouvre de quel côté? J'ai l'impression de tourner en rond. Oh, ça c'est d'embuscade. J'ai eu peur. J'ai cru que... Ouais. Oh putain, tu vas me pousser. Ils mourraient tous. Ils sont jusqu'à de loin là. Oh putain! Dégage. Saute. This is Sparta. Alors toi, tu veux mettre ton poison? Ah! Certainement pas. Comment la première action? Ça peut être ça et pas un objet. Il y a un objet. Avec un mec qui va essayer de me pousser dans le vide. Regardez, 3, 2, 1. Tentative de poussage dans le vide. Ou de vomi. Oui, c'est l'autre possibilité. Il y a des petites chutes de framerate quand même. C'est-à-dire que les mouvements de caméra ils sont pas 100% fluides. C'est là qu'on voit qu'on est sur console. Et je dois être à 30 fps parce que je dois streamer. Parce que le remote play doit être à 30 fps. Sur... Bas nécessaire. Ouais, qu'est-ce que... Pourquoi j'irai là? Ah oui, il y a un truc. Ok. Donc je vais y aller. C'est quoi c'est? On crame, hein? Aïe! C'est vrai qu'ils sont à peu près aussi dangereux que les autres. Je me dis putain, ils balancent des sorts, ils doivent être trop forts. Non mais là en bas, ça sent trop la salle de boss quoi. Mais j'ose pas sauter. C'est l'embuscade de là-haut. Oh putain! Bah non, c'était l'embuscade de en bas. Ah oui! Tu peux être un chevalier esclave du Ku Klux Klan. Là vraiment faut que vous vous arrêtiez avec les trucs du Ku Klux Klan. Ça commence à se voir.
Ça sent le piège. Voilà. C'est quoi cette intelligence que j'ai de dire oh, ça sent le piège et d'aller dedans. Du coup, là, je peux sauter. Je peux aller dans la maison où il y a des bruits chelous. Ah, c'est des mouches. J'aime des ténèbres. Ah, mais les gemmes, c'est pour modifier les armes. Oui, ça ne me servira à rien. Petite porte. Ah, mais. Il m'attaque! J'ai rien fait, c'est pas moi. Mais non, c'est pas là qu'il y a la. C'est pas là qu'il y a la petite porte. Fais-moi le malin. Oh oui, j'y crois. Je pense que tu vas bien venir me déranger. Certainement. Donc là, on va faire un petit tour. Il y a un objet juste à droite. On va le récupérer. Ici. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Pièce d'or rouillée, ça c'est toujours ça de prix. Attends, il y a un endroit où il avait dit bas nécessaire. Déjà là, il y a un objet, mais je sais pas si c'est pas parce qu'il y a un mort. Quand même l'impression. Mais c'est... Aïe. J'écrirai tout à l'heure. En fait, je vais écrire qu'il y a un raccourci. Aïe. Aïe! Esquive man. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Je n'aime pas ces bruits. Ouais, je me fais peur avec mon petit voile qui traîne. Petit vol de danseuse. Skiffman. Ah, des griffes de corbeau. Ah cool, j'ai les râteaux maintenant. Est-ce que je peux faire râteau-man avec tout ça? Sous les griffes.
Gulifu. Ah oui. Ah, on peut faire ça en plus, c'est trop bien. Je sens que je les booste un petit peu. Alors, par contre, puisqu'on en est là, ah oui, en bas c'est la salle où il y a notre ami. Et en effet, allez, je reconnais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aller au bout de nos rêves. On s'achève. Donc il y a peut-être moyen qu'on arrive de l'autre côté du portail et qu'on l'ouvre. Et je pense que je vais stopper là après. Ah, il y a le portail, donc là je peux... Non, je ne suis pas paranoïaque. Pas du tout paranoïaque. Ah. Je marche pas dessus parce que ça va s'écrouler. Retourne dans ton puits, toi. Retourne dans ton puits, Sadako. Et glissez, chef. Escadre devant, par ailleurs, pas de trésor en vue. D'accord. Pourtant, c'était précisé, hein. Alors j'ai eu suffisamment à Dark Souls pour savoir que derrière cette porte, il n'y a pas de porte. Il y a soit un feu, soit un boss. Là il y a un ennemi, ok. Ah, j'ai plus de mana. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir autant de... Une jeune branche blanche. Des pièces rouillées. Qu'est-ce, sachant que là je vais me prendre un coup, je vais en perdre déjà les trois quarts. I've seen your kind. Time and time again, every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. Mais c'est pas un boss. But in the end, you lack the stomach for the agony that you bring upon yourself. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh putain! Non! Par contre, il est bavard quand il attaque.
Bon voilà, je pense qu'on va rester là-dessus quand même. Ah, c'était le retour des scatapoils. Également, j'en profitais pour. Si vous avez suivi un petit peu, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas toutes les vidéos de Castlevania Symphony of the Night. C'est parce qu'il y en a qui avaient été mutées sur Twitch. Et d'autres parce que j'ai oublié de les exporter sur YouTube. Mais j'ai encore les vidéos, donc ce sera réglé. Et du coup, Twitch a accepté ma demande de démutage et sont démutés. Donc les deux premières parties ont été exportées sur YouTube. J'ai mettre les petites légendes et puis les publier, et puis pareil, je vais rajouter la fin. Et comme ça, vous aurez la playlist complète de Castlevania si vous avez envie de la regarder, un petit périple de 3-4 heures, même pas. Voilà, donc on va se laisser là, on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. Je pense pas que je vais continuer là ce soir. D'ici la prochaine fois, bah, portez-vous bien, jouez pas trop et des bisous.